téléspectateurs de Télévision Nationale d'Haïti, bonjour, jeudi à nous dimanche 24 juin 2018. Nous en direct depuis Trou du Nord, côté Télévision Nationale d'Haïti, Bral Fort Vive, célébration fête Saint-Jean-Baptiste, qui c'est saint patron Moun Trou du Nord, président république, qui c'est originaire Trou du Nord, arrivé Kounia, pendant un moment, on a parlé là, dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste, qui trouvait dans Trou du Nord, c'est famille présidentielle là. Qui rivé président république là, son excellent Jovenel Moïse, première dame république là, Martine Moïse, avec Petitio et puis plusieurs proches dans le gouvernement, plusieurs membres gouvernement qui viennent recevoir yo dans l'entrée l'église là, avec autorité département nord-est yo qui viennent recevoir président république là, qui va le gain pour recevoir honneur présidentiel bien avant que cérémonie solennelle pour célébrer Saint-Jean-Baptiste là, démarrer côté nous là dans paroisse Saint-Jean-Baptiste là. D'ores et déjà, Télévision Nationale d'Haïti a souhaité une joyeuse fête Saint-Jean-Baptiste à tout Trouvien, Trouvienne et puis l'autre chrétien catholique qui tout partout sur la terre qui a fêté Saint-Jean-Baptiste dans le moment ça. Voilà, président République qui a salué plusieurs monde dans la population, il y a une foule qui massé dans rentrée l'église là. Et déjà dans l'église là, déjà bondé avec chrétiens catholiques, pèlerins qui viennent pour participer justement dans fait ça qui a une pile importance pour catholiques et qui a une importance tout pour vaudouisans yo dans façon pa yo cap célébrer Saint-Jean qui c'est Tijan pour yo. Et nous connaissons ici là, nous avons une zone historique, culturelle, côté gain en pile religion, en pile tendance tout, tendance religieuse qui a évolué dans la zone. D'ailleurs, nous connaissons ici là, dans Trou du Nord, côté nous, il y a une grosse zone rendez-vous, côté plusieurs milliers pratiquants vaudou, toujours réunis. Donc, dans la zone Trou du Nord, il y a des étrangers qui toujours viennent tout, chaque année, dans le moment. Fête Saint-Jean-Baptiste à célébrer. Et c'est tout week-end qui c'est un week-end de célébration. Il faut nous rappeler, téléspectateurs, activité pour célébrer fête Saint-Jean-Baptiste commencé depuis week-end ça. Côté président de la République là, présent depuis jeudi dans le département nord-est PIA. Côté un pile activité déjà faite. Président de la République là, participé hier, toujours dans le cadre. Célébration fête ça, il participait à l'inauguration centre professionnel, centre de formation professionnelle de Trou du Nord qui fait l'ouvrir journée samedi 23 juin. Et c'est le président de la République là encore qui a participé vendredi dans la soirée dans la première édition concours bétail qui fait dans Trou du Nord, toujours dans le cadre de célébration fête Saint-Jean-Baptiste là. Donc il y a une pile d'activité qui fête pendant le week-end ça, pour marquer fête là, il y a un paquet de belles affiches tout, que section culturelle là, bien chance pour détailler pour nous pendant ce maintenant, pour faire nous vivre et moment ça, nous gagnons staff culturel là qui fait un gros déplacement pour permettre nous vivre différents aspects en fête Saint-Jean-Baptiste. Dans pas trop longtemps, cérémonie religieuse là, pour commencer, j'en ai regardé sous petit écran nous, gagnant curé paroisse Saint-Jean-Baptiste là côté nous trouvons nous là révérend père Joseph Bernard Etienne qui vient saluer famille présidentielle là et gain vicaire là tout révérend père Jean-Gilles Mémé nous qui saluer famille présidentielle là dans un petit temps cérémonie ça va commencer c'est chorale étoile de l'anneau cap animé messe action de grâce jodia. Et l'activité religieuse a démarré sous thème, a déroulé sous thème Saint-Jean-Baptiste. Aidez-nous, vive dans les mains pour la paix, blaye dans le pays nous. Et c'est Monseigneur Kesnel Alphonse, lui-même qui va gagner pour présider Messe-là, Saint-Jean-Baptiste. Il y a des gens qui sont à l'étranger, qui font déplacement, qui viennent, des gens Trou du Nord qui sont dans la diaspora. Nous voyons un paquet de gens qui sont dans la diaspora qui viennent. Pour célébration messe donc une messe qui gagne plus importance. Alors on a parlé de affiches, toute activité qui a attiré moun vini dans Trou du Nord
Et hier soir, nous sommes capables de parler de grand bal Tropicana, nous sommes capables de faire une maquette qui était gagnée hier soir, qui était attiré en pile monde dans la commune Drou du Nord. Et Astroea spécialement, dimanche 24 juin, il y a une grande activité qui prévoit sous place là. Côté la présidence, il y a pour distribuer cadeaux à des gens dans la population. Et il y a un coût tout qui est sorti dans APN Cap Haïtien pour arriver ici là, sous place là, dans le Trou du Nord. Les gens qui remportent coup ça, premier gagnant, la recevoir un prix de 100 000 goudes. Deuxième gagnant, a recevoir un prix de 50 000 goudes. Et ça qui fait particularité coup ça, c'est que n'importe fille qui participe dans le coup là, n'importe fille, hein, même s'il n'est pas le premier, même s'il n'est pas deuxième, depuis le rivé seulement, il fait pas coulant. Une fois que le rivé sous place là, la recevoir 50 000 goudes. Donc c'est autant d'activités pour marquer fête Saint-Jean-Baptiste dans Trou du Nord. Trou du Nord qui c'est eh bien pays d'origine président républicain, qui c'est région d'origine. C'est dans la province ça président républicain sorti et il y a assez répété lui. Donc jeudi a c'est tout à fait normal que famille présidentielle là vini dans Trou du Nord, vini pour participer dans la messe action grâce qu'a fait dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste là, pour célébrer avec les chrétiens catholiques, pour célébrer avec la population. Activité importante ça aujourd'hui. Dans un petit moment encore, téléspectateurs pour être capable de suivre déroulement messe solennelle pour marquer 318 l'année Trou du Nord, commune Trou du Nord, et pour tout pour célébrer Saint Jean-Baptiste, Saint Patron, Trouvien et Trouvienne. Dans le cadre d'activités qui sont faites toujours, non seulement pour fête là, mais qui sont faites pour la population, c'est important dans ce moment ça, pourquoi pas, pour nous t'a rappeler. Et bien travail infrastructure routière, caravane a fait tout, caravane changement a fait dans le Trou du Nord, tant asphaltage rue Saint-Charles qui débouchait sur plusieurs zones dans le Trou du Nord, rue Saint-Charles presque fin asphalté. Et hier, dans l'émission spéciale sur caravane changement, nous avons chance pour nous suivre le reportage ça. Et dans l'édition nouvelle nous tout. Nous sommes capables de brancher la télévision nationale d'Haïti pour nous voir la réalisation qui a fait ici là dans le Trou du Nord, route cap asphaltée, centre de formation professionnelle qui l'ouvre et puis diverses autres activités qui ont fait, projets qui gagnent. Nous avons une chance pour nous et suivre toute étape dans l'édition nouvelle avec une émission spéciale télévision nationale d'Haïti a fait sous caravane changement. Là, sous petit écran, on va regarder les préparatifs qui sont faits dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Là. C'est la dernière touche qu'on a mis, une fois la famille présidentielle là présente dans l'enceinte l'église. Là. C'est la dernière touche qu'on a mis pour permettre que la messe a commencé. Une messe que Monseigneur Kesnel Alphonse, évêque pour la liberté, a lui-même a présidé. Et c'est chorale étoile de l'amour qui a animé le message jeudi. Il y a bien entendu l'autre responsable paroissial qui est présent, tant que révérend Père Joseph Bernard Etienne, qui est curé paroissial, et révérend Père Jean-Gilles Mémé, qui est vicaire paroissial, qui déjà là. C'est la dernière mise en place qu'a fait l'église là pour permettre que le message démarre officiellement. Entre-temps, on a demandé aux téléspectateurs, Télévision nationale d'Haïti, aurait été branché. Télévision à tout moment n'a pas une chance pour nous toujours capable ouais match qui va gagner tout de suite après là après messe là et même pendant messe là n'a pas une chance pour nous suivre match ça en direct. Nous connaissons mondial là, tout c'est un gros événement moment. Donc Télévision nationale d'Haïti staff technique là mettez li en 4 pour permettre que tout le monde joigne satisfaction, pour chrétiens catholiques satisfaits, pour
diaspora qui fait déplacement pour venir faire la satisfaire et tout pour fanatique ballon royo jouer une satisfaction. Donc toujours été branché télévision nationale d'Haïti pour nous connaître tout ça qu'a fait étape par étape. Fête Saint-Jean-Baptiste pour chrétien catholique, fête Tijan pour pratiquant vaudou, a célébré journée 24 juin dans le moment où parlé là. Télévision nationale d'Haïti en direct depuis paroisse Saint-Jean-Baptiste dans Trou du Nord. Et thème Cabral Maquet, activité ça, activité religieuse là pour jeudi, c'est Saint-Jean-Baptiste. Aidez-nous vivre dans les mains pour la paix, blaï dans le pays nous. Donc c'est un thème qui est clair, qui déjà parlé pour tête li. Il y a deux points forts qui dégagent la donne, c'est remet avec la paix. Deux points qui sont importants dans le moment sûrement qui pourra le faire un bon parti dans l'homélie circonstance là. Donc nous toujours avec vous, nous attendons dans quelques minutes. Normalement, messe action de grâce là, tu as dû parer pour lancer, pour permettre que nous-mêmes qui sommes à la caille, nous vivons, soutenons tout ça qui a passé ici, là, dans le Trou du Nord, côté télévision nationale d'Haïti en direct. J'en ai regardé sur l'écran, nous, c'est possession, hein, qui a fait entrer le Kounia à l'église là. Nous avons déjà annoncé qui groupe qui a animé Messa, c'est chorale Étoile de l'amour. C'est même chorale là qui prend place devant l'église là et qui a paré pour faire rentrer. Et ça qui indique n'a pas trop longtemps. Nous sommes capables de mettre et suivre tout ce qui a passé ici là dans le Trou du Nord, spécialement dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste côté nous trouvons. Nous. Fête là qui gagne fête Saint-Jean-Baptiste n'a parlé de li kounya li question dans moment n'a parlé là li gagne tout yon gros porté économique que nous pas ka négliger là nous connaît quantité moun qui fait déplacement sorti tout partout dans Port-au-Prince dans l'autre ville province qui choisit autre pour venir participer dans fête là moun sa yo rempli chambre hôtel yo moun sa yo et manger et gagne des moun qui vraiment amuser yo nan fèt la, gen des moun ki fè an pile dépense parce que yo dormi nan hôtel, yo manje et sou place. Donc en fait c'est une activité qui gen un fort aspect économique la donne et moun yo tout gen chance pour visiter plusieurs zones historiques qui gen ici là dans Trou du Nord. Le soir gen un festival sous place là qui très animé et télévision nationale d'Haïti gen staff li qui filmer événement ça, qui filmer activité ça yo. Et dans le journal culturel là, même gens avec le journal 7h là, tout le monde a bien chance pour yo voir qui ça te gagne ici là pendant fête Saint-Jean-Baptiste là dans Trou du Nord que nous pas bien chance ba ou en direct mais on va voir tout l'autre détail qui entoure fête ça dans édition nouvelle yo dans page culturelle là et dans émission spéciale yo kounya c'est rentré officiel chorale là cap fête. Famille présidentielle là, ministre dans le gouvernement, autorité locale yo, déjà prend place l'église là. Et après, c'est préparé pour la cérémonie qui commence dans le moment où on a parlé là, avec l'entrée chorale là. Et possession pour représentant différentes paroisses. À diocèse qui vient qui fait déplacement
pour venir participer à un gros fête ici là dans le Trou du Nord qui s'est fait Saint-Jean-Baptiste, Saint-Patron, dans le Trou du Nord. Thank you.
vous tous. Rassemblés en ce 24 juin, en cette enceinte sacrée, nous sommes venus magnifier le nom du Seigneur pour sa grande et infinie tendresse à notre égard. Nous sommes venus également le remercier pour les dons et faveurs dont il a comblé Saint Jean-Baptiste, patron de notre paroisse dont nous célébrons aujourd'hui la solennité de la naissance. Jean-Baptiste est le plus grand des enfants nés de la femme, le dernier et le seul des prophètes à avoir eu le privilège de désigner du droit le Messie, l'agneau de Dieu. Qui fait, si parti content, nous content dans bon Dieu, les mêmes qui ban nous grand potorique garçon ça, modèle tout le monde qui a baillé bon témoignage, comme patron paroisse n'a fêté jodi. Fruit miséricorde grand maître là, c'est déjà manifestation remet à fidélité bon Dieu noir qui paraît à clé dans mitan nous. C'est pour ça nous choisis bel thème ça pour fête là. Saint Jean-Baptiste, aidez-nous vivre dans remet pour la paix blaï dans pays nous. Saint Jean-Baptiste, aidez-nous vivre dans remet pour la paix blaï dans pays nous. Frères et sœurs bien-aimés, tout au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur, lui qui depuis notre baptême nous a consacrés prophètes, la grâce de nous engager à l'essor de Saint Jean-Baptiste afin de nous témoigner son amour où que nous soyons, Kounia à nous camper pour nous chanter. Thank you.